Madame Bettencourt? Il y a des places réservées, non? Bonjour, bienvenue. Merci d'être là avec nous ce matin pour une cérémonie très spéciale qui est la conclusion de plusieurs années de travail. Donc, on est très, très heureux que vous vous joigniez à nous pour cet événement. Mon nom est Marie-Claude Morin. Je suis la responsable régionale pour la province de Québec de MAD Canada. Et je suis aussi la responsable pour la province de Québec des services aux victimes. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous et d'autres que je rencontre aujourd'hui pour la première fois. C'est un honneur pour moi, non seulement d'être ici ce matin, mais de faire partie de notre extraordinaire organisation qui œuvre auprès de milliers de victimes et de survivants et de bénévoles, très importants, partout au pays. Au nom des membres de notre Conseil d'administration nationale et de tout le personnel, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie et au dévoilement du monument, c'est-à-dire de l'œuvre d'art commémorative qui a été érigée en honneur de vos êtres chers. MAD Canada tient à reconnaître que nous sommes sur les terres ancestrales de la nation Huron-Wendat, sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada. Comme le veut la tradition, nous débuterons cette cérémonie en allumant une bougie perpétuelle qui brûlera à la mémoire des victimes et survivants de la conduite avec capacité affaiblie, ceux qui sont présents ici aujourd'hui et ceux qui n'ont pu se joindre à nous. Donc, veuillez vous lever si vous le pouvez pour observer un moment de silence. Merci. Pour ouvrir officiellement la cérémonie, nous avons le plaisir d'accueillir une membre de la communauté de Wendake, Mme Diane Picard.
Oh, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Ça, c'est l'introduction. Allez-y. Merci, madame. C'est pas fini, c'est pas fini. Est-ce qu'on peut enlever ça? On peut pas se promener avec? On peut pas se promener avec ça? Faut rester là? Et cette petite chose! Et voilà! Oh. Mon nom est Okwandoron. Taurenche. Yahandishra. De Sondakwayatsi, Diane Picard. J'ai été baptisée Diane Picard. Je suis née à Wendake il y a 73 ans. Et j'ai gentiment été invitée ici aujourd'hui avec vous. Puis c'est très, très émouvant. Je suis contente d'être avec vous autres. Nous aussi, les Premières Nations, on connaît ça, ce problème-là. Le boisson au volant. Alors, si vous voulez vous lever, on va faire une prière. On va faire une prière pour les gens qui sont partis, pour libérer les âmes de ceux qui sont encore avec nous, pour purifier notre cœur, pour accepter qu'est-ce que c'est qu'on ne peut pas changer. Puis pour passer une belle journée, on va remercier les ancêtres. OK. Je dirige mon regard vers le nord. J'adresse mes prières dans cette direction. Par là se trouvent mes parents.
Par là se trouvent mes parents. Je remercie Yoskinanton, le petit chevreuil. Donc, nos ancêtres, nous les invitons à venir partager la cérémonie avec nous. Je dirige mon regard vers l'est. J'adresse mes prières dans cette direction. J'adresse mes prières dans cette direction. Par là se trouvent mes parents. Je remercie mon frère du clan du loup. Il y en a quoi? Pour la communication et le partage. Avec nos ancêtres aujourd'hui. Avec tous nos cœurs ensemble. Pour que l'amour s'installe dans nos cœurs. Le pardon aussi. C'est un territoire qui est très, très... Elle dit qu'il y a un aigle qui se promène depuis tout tantôt au-dessus de nous, que c'est très rare. Et que c'est un territoire ici qui est très chargé. Je dirige mon regard vers le sud. J'adresse mes prières dans cette direction. Par là se trouve la petite tortue. Yangawish. Je remercie Yangawish pour l'équilibre dans nos vies. Un petit verre de vin qui dit maximum 2 par jour. Je dirige mon regard vers l'ouest. J'adresse mes prières dans cette direction. Je remercie frère ours. Nyan-nyon-nyen. De nous aider à protéger nos territoires et tous les peuples de la terre. Nos ancêtres, amis communs. Et je remercie l'eau. Pour nous purifier. Nous laver. Et nous hydrater. Tiawan. Merci pour le respect. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Madame Picard. Yo! J'ai maintenant l'honneur de vous présenter M. Sylvain Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, qui va nous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Kweawiti. Madame Morin, Madame Dawn, je sais qu'il y a également d'autres représentants de MAD aujourd'hui avec nous. Je pense qu'il y a Madame Sylvie Bélanger, Madame Marie-Soleil Blanchard notamment. Évidemment, à vous tous et toutes, membres des familles victimes de la conduite avec faculté affaiblie, je suis extrêmement touché et honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais retirer mes lunettes, ça va être plus poli. Je m'en excuse. Je suis extrêmement touché d'être avec vous pour ce dévoilement si important de l'œuvre d'art commémorative du Québec en hommage aux victimes de la conduite avec faculté affaiblie. Malheureusement, la route
fait trop de victimes encore au Québec. Et on sait que ça a diminué dans les dernières années, mais il y en a encore trop. On parle d'en moyenne 85 personnes victimes par année en lien avec l'alcool au volant. On parle de 220 personnes en moyenne blessées grièvement. Et qu'on le veuille ou non, on est malheureusement tous, de près ou de loin, touchés par une blessure ou même le départ d'une personne qui nous est chère. Je pense moi-même, ça, ça remonte à très longtemps, et j'étais bébé, mais ma tante Micheline, une des plus jeunes de la famille Guimont, dans la région de la Matapédia, est décédée à l'âge de 18 ans. Elle était avec son conjoint de l'époque, son chum, qui avait consommé, perdu le contrôle de l'automobile, et elle en est décédée. Je pense aussi à ma collègue de travail ici qui est avec moi, Valérie, qui est une précieuse alliée depuis fort de nombreuses années. Puis Valérie, le 7 août 2002, je pense à toi aujourd'hui. Ta sœur Suzanne est décédée à Chuteau-du-Tarde, dans la région de la Côte-Nord. Moi aussi, je suis originaire de Baie-Comeau, comme toi, de la péninsule Manicouagan. Et de perdre un proche, je le sais à quel point ça t'est difficile. Mais loin de vouloir axer ce discours sur moi-même, je pense à vous toutes et à vous tous qui avez été touchés par ce fléau qui nous afflige. Mais aujourd'hui, c'est un moment privilégié pour rendre hommage à ces personnes victimes, à leur dire qu'ils ne seront jamais oubliés, qu'on est avec eux, qu'on pense à eux, qu'on les aime et qu'on leur demande de penser à nous en haut pour pouvoir continuer, nous, de notre côté et continuer à se battre ensemble pour réduire, et je l'espère un jour, éliminer ce fléau qu'est l'alcool au volant. Je vois des représentants des forces de l'ordre qui sont avec nous. J'ai vu sur votre écusson que vous êtes de Longueuil, l'agglomération de Longueuil. Bien, je tiens à vous remercier, les membres des forces de l'ordre, de faire respecter les lois, les règlements. Notre rôle comme élu, c'est de vous donner le pouvoir d'agir. C'est de vous donner la possibilité de travailler au meilleur pour tous, de continuer vos efforts en matière de sensibilisation. Je veux remercier MAD Canada pour vos efforts aussi, tout ce que vous faites auprès des victimes, auprès des gens qui sont éprouvés, et de poursuivre cette sensibilisation-là. Au Québec, on a la chance d'avoir Éduc'alcool, qui fait un travail extraordinaire. Mais ça commence très jeune, hein? Quand on est enfant, quand on est adolescent, surtout adolescent, on se pense invincible et on pense que rien ne peut nous arriver. Donc, il ne faut jamais cesser de faire des efforts et de sensibiliser. Comme gouvernement, on a ce devoir-là de créer des campagnes de sensibilisation, de s'assurer de donner les bons outils. Alors, en conclusion, je veux vous remercier de votre présence. Je suis honoré, encore une fois, d'être là au nom du gouvernement du Québec, qui a contribué financièrement à ce monument d'art commémoratif qu'on aura au Québec. Et je veux remercier également Mme Diane Picard, Tiawank. Encore une fois, vous êtes encore présente. On est très fiers de travailler avec vous. Merci pour cette bénédiction. On est fiers de nos Wendat. Alors, mesdames et messieurs, merci humblement de m'accueillir parmi vous. Bonne commémoration. Merci beaucoup, M. Lévesque. Votre présence parmi nous est très, très appréciée ce matin. J'aimerais inviter Mme Dawn Regan,
chef des opérations et chef de la direction intérimaire de MAD Canada, à vous dire quelques mots avant qu'on débute la cérémonie en tant que telle. Bonjour. Au nom du conseil d'administration de MAD Canada, des bénévoles de nos sections au groupe de leaders communautaires au Québec, ainsi qu'au nom des victimes et des survivants que nous soutenons, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet événement très spécial. Nous savons à quel point une telle cérémonie peut être chargée d'émotions pour les familles qui ont soumis un nom a été gravé sur cet hommage provincial, ainsi que pour tous les participants réunis aujourd'hui. Merci de votre courage et de votre résilience. Sachez que nous sommes à votre côté pour honorer vos êtres chers. Nous espérons que vous ressentirez le soutien et la compréhension qui vous entoure aujourd'hui. Alors que nous allons dévoiler cette œuvre d'art commémorative, vous pourrez lire le nom de 48 personnes. Chacune de ces personnes a été arrachée à sa famille, son groupe d'amis et sa communauté par la geste insensée qu'elle a conduite avec capacité affaiblie. Chacune d'entre elles est une perte déchirante et insensée. Malheureusement, la conduite avec capacité affaiblie continue d'être une des principales causes d'essais criminels au Canada. Chaque année, elle cause la mort de centaines de personnes, sans compter les dizaines de milliers de Canadiens qui sont blessés dans une collision causée par la conduite avec capacité affaiblie. C'est inutile pour moi de vous expliquer les conséquences terribles de ce crime. Vous les vivez à chaque jour. Aujourd'hui, alors que nous allumerons des bougies en hommage à ces victimes innocentes, nous allons honorer leur mémoire et tous ceux qu'ils représentent pour vous et pour nous. Le nombre de noms gravés cette année nous brise le cœur. Et ce nombre ne représente qu'une partie d'un nombre réel de victimes tuées par la conduite avec capacité affaiblie. Cette œuvre commémorative nous rappelle qu'il reste beaucoup de travail à faire. La mission de MAD Canada est de mettre fin à la conduite avec capacité affaiblie et de venir en aide aux victimes de ce crime vilain. Chaque jour, nos bénévoles dévoués combattent la conduite avec capacité affaiblie. Nous soutenons les victimes et les survivants. Nous sensibilisons la population au danger de la conduite avec capacité affaiblie. Nous éduquons les jeunes et leur donnons des stratégies et des outils pour les aider à se protéger. Nous faisons la promotion de mesures législatives et de politiques publiques pour renforcer les lois en matière de conduite avec capacité affaiblie. Nos bénévoles au Québec se dévouent à ces tâches en livrant les programmes et les services dans leur communauté et en éduquant sans relâche la population sur les façons de prévenir la conduite avec capacité affaiblie. Certains d'entre eux ont connu la perte d'un être cher ou subi des blessures en raison de la conduite avec capacité affaiblie. Ils en connaissent trop bien les impacts. Ils sont dévoués, motivés, enthousiastes, compréhensifs, empreints de compassion, mais surtout, ils veulent changer les choses pour qu'aucune autre famille n'ait à faire face aux mêmes chagrins et aux mêmes difficultés qu'eux. Je tiens à remercier le personnel de MAD Canada, les bénévoles, les partenaires communautaires, les victimes et les survivants qui ont travaillé très fort pour que cette œuvre d'art commémoratif soit réalisée. Et finalement, qu'elle soit une inspiration et un hommage perpétuel à toutes ces victimes innocentes. Qu'elle soit aussi une illustration concrète des conséquences tragiques de la conduite avec capacité affaiblie. Et qu'elle soit un rappel de l'importance de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. Merci. Merci beaucoup, Don. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont des victimes et des survivants, nous savons à quel point
Tout espoir de guérison peut sembler impossible après la perte d'un être cher ou après avoir subi de graves blessures. Mais je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous ne pouvons pas éliminer votre douleur, guérir vos blessures ou faire disparaître vos difficultés, mais nous pouvons marcher avec vous. Nous pouvons vous soutenir lorsque vous avez besoin de nous et nous tenir fermement à vos côtés lorsque vous faites face à des défis. Nous ne pouvons pas changer ce qui vous est arrivé, mais nous pouvons vous assurer que cela n'arrive à personne d'autre. Vous faites partie de la solution. La conduite avec capacité affaiblie est entièrement évitable. C'est le message important aujourd'hui. C'est que c'est un crime qui est entièrement évitable si on s'en donne la peine. En allumant les bougies symboliques, nous renouvelons notre engagement envers nos familles, nos amis et notre communauté. La flamme de la chandelle rouge représente le courage, ce courage qui fait de nous des êtres sans peur et déterminés dans la poursuite de notre mission de mettre fin à la conduite avec capacité affaiblie et de venir en aide aux victimes de ce crime violent. La flamme de la chandelle jaune représente la vision qui nous donne courage et enthousiasme pour que nous puissions continuer notre lutte et faire qu'un jour il n'y ait plus aucune victime. La flamme de la chandelle blanche représente l'humilité, ce sens de l'honneur qui nous pousse à nous engager sans rien demander en retour. La flamme de la bougie orange est symbole de loyauté, ce désir d'aller vers le but avec détermination, qui aide à accepter sans découragement les résultats de nos actions, quels qu'ils soient, et qui nous garde dans le droit chemin vers nos objectifs. La flamme de la chandelle verte représente l'amitié, cette affection sincère que nous accordons non seulement à ceux qui vivent une perte ou qui ont été blessés, mais à tous les êtres humains. La flamme de la chandelle mauve représente le sens du service et du devoir, ainsi que le don de soi, dans le but de soulager le fardeau de quelqu'un d'autre en illuminant nos propres ténèbres. C'est dans le service loyal et empreint de compassion envers les autres que l'égoïsme et le repli sur soi sont éliminés. J'invite l'agent Sylvain Forgue à venir allumer la bougie commémorative bleue. La chandelle bleue honore la mémoire de tous les officiers de police tués ou blessés dans des incidents impliquant la conduite avec capacité affaiblie et reconnaît tous leurs efforts pour sauver des vies. Et finalement, nous allumons la chandelle multicolore pour toutes les victimes et les survivants qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui et pour tous les membres de leur famille. Je pense que Dame Nature a décidé que nos chandelles allaient s'éteindre, alors... That's okay. Alors, on va espérer que les petites collaborent mieux. Ça va? OK. Lorsque le nom de votre être cher sera lu, nous vous demandons de venir à l'avant pour allumer une bougie commémorative et prendre un moment pour vous recueillir pendant que nous lirons votre hommage. Par respect pour toutes les familles et par souci de sécurité, nous vous demandons de ne pas venir à l'avant pour prendre des photos, des bougies, par exemple. Vous aurez du temps après la cérémonie pour prendre des photos si vous le désirez. Je tiens à préciser aussi, vous l'avez probablement vu, que la cérémonie est enregistrée. Donc, vous recevrez par courriel un lien pour vous permettre de l'avoir à une date ultérieure. J'inviterai la première lectrice à s'approcher, Mme Sylvie Bélanger de Madelanaudière. À la mémoire de Thomas Raté, le 29 septembre 2000,
le 24 mars 2018. Thomas, que ce monument rappelle toute cette souffrance qui nous habitera pour toujours. À la mémoire de Jason Fortin, le 17 février 2007, le 3 septembre 2021. Jackson, je m'excuse, Jackson. Sportif, tannant, drôle, qui aimait la musique. Tu n'es plus où tu étais, mais partout où je suis. À la mémoire de Shelley Fletcher Lemieux, le 17 juin 1977, le 2 septembre 2021. À mon épouse Shelley, qui repose aujourd'hui aux côtés de nos deux enfants, je t'aime, Dominique Lemieux. À la mémoire d'Emma Lemieux, le 26 août 2011, le 3 septembre 2021. À ma belle Emma, qui venait d'avoir 10 ans, tu seras toujours dans mon cœur. Papa et grand-papa. In memory of James Grant Fletcher, January 20th, 1953, September 2nd, 2021. Go ahead. In loving memory of Warrant Officer James Grant Fletcher. À la mémoire de Marc-André Lachance, le 5 avril 1977, le 22 mai 1995. Tu as été le rayon de soleil pendant 18 ans et un mois de notre famille et amis. In memory of Craig James Watson, February 15th, 1988 to July 10th, 2008. Wishing we could turn back time, always and forever missed, till we meet again, beloved Craig. À la mémoire du caporal Tom Desaunier. Le 10 février 1984, le 19 août 2006. Plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Maman. À la mémoire de Mélissa Legault, le 29 mai 1989, le 21 septembre 2009. Chère Mélissa,
Nous te rendons hommage aujourd'hui. Tu resteras gravé dans nos cœurs à tout jamais. À la mémoire de Denis Mongrain, le 4 décembre 1977, le 20 juin 2004. Denis, tu es parti trop tôt. On se rappelle encore chaque jour ta présence. À la mémoire de Stéphanie Nadeau-Martineau, le 8 mai 1995, le 3 juin 2011. Stéphanie, notre ange, tu es notre arc-en-ciel. Tes couleurs enveloppent notre cœur et nos journées. À la mémoire de Nathalie Roy, le 19 août 1978, le 10 juin 2007. Nat, petit ange bouclé et coloré, ta joie de vivre nous habite et nous inspire. À la mémoire de Christine Bertrand, le 12 octobre 1970, le 4 octobre 1991. Ma fille, mon trésor, mon amour, tu es douleur toujours présente, même après 31 ans. À la mémoire d'Yvon Ruet, le 19 octobre 1950, le 25 avril 1982. Nous gardons en souvenir ton esprit pionnier pour le premier toit végétal au Québec. À la mémoire de Caroline Fortier, le 20 juillet 1993, le 17 juin 2011. Caroline, ma fille, mon ange, amour pour toujours. «
à la mémoire de Nadia Pruneau. Le 17 juin 1993, le 17 juin 2011. Tu resteras à jamais notre petit soleil. Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours, tes parents. À la mémoire de Simon Dansereau, le 21 janvier 1995, le 18 novembre 2012. Vouloir, à force d'amour, t'empêcher de partir, mais le monde est trop lourd. Je t'aime, mon fils. À la mémoire de Rachel Middleton, le 31 janvier 1978, le 26 octobre 2014. Belle Rachel, il est tellement difficile de vivre sans toi. Nous t'aimons éternellement, ta famille. À la mémoire d'Alain Neveu, le 25 août 1960, le 1er juillet 2006. Homme de cœur et bon vivant, il vivait des aventures qui le rendaient totalement inoubliable. À la mémoire de Marc-Antoine Trottier, le 2 juillet 1998, le 30 octobre 2003. De là-haut, tu brilles sur nos vies. Ta place dans nos cœurs est indélébile. À la mémoire de Nicolas Antonelli, le 12 janvier 1994, le 27 août 2011. À travers notre souffrance, tu sais encore faire une différence dans la vie des gens, ta famille et tes amis. À la mémoire de Jonathan Desgagnés, le 20 avril 1977, le 27 février 2010. Joe, il n'y a personne qui peut te remplacer. Je ne pouvais pas avoir un meilleur enfant que toi. Je t'aime. À la mémoire de Claudine Bélanger, le 9 avril 1982, le 27 février 2010. Chère Claudine, tu étais avec ton frère Sébastien notre soleil. Ta mort nous a laissés dans l'ombre, tu nous manques.
À la mémoire de Karine Boulanger, le 1er janvier 1984, le 14 mars 2004. À notre chère Karine, qui est toujours et à jamais dans nos cœurs, nous t'aimons. À la mémoire de Simon Julien. Le 6 avril 1985, le 21 janvier 2010. Ton nom restera gravé pour toujours, ici et surtout dans nos cœurs. Nous t'aimerons éternellement, tes parents. À la mémoire de Catherine Beaulieu. Le 2 septembre 1988, le 3 mai 2010. À la mémoire de Maude Sirois, le 15 juin 1975, le 14 juin 1988.
Merci, Maude, pour le temps, la joie partagée. Tu étais belle, aimante, souriante. Sois heureuse, notre amour. À la mémoire de Jessica Sarli Rivera. Le 3 avril 1990, le 20 mars 2017. Chère Jessica, merci d'avoir rempli nos vies de souvenirs aussi mémorables. Tu nous manques. À la mémoire de Dominique Bourbeau. Le 2 octobre 1980, le 15 janvier 2006. Dominique, grand passionné de la vie, aimant, généreux, combatif, tu accompagnes nos cœurs toujours. In memory of Dr. Javed Kallis. January 20th, 1967, November 20th, 1997. He was the kindest person. He became a doctor to help, but he was killed at the age of 30. À la mémoire de Vanessa Tremblay-Vigée, le 5 janvier 1989, le 1er août 2015. Je préfère mourir demain que de vivre 100 ans sans t'avoir connu. À la mémoire de Mathieu Perron, le 29 septembre 1988, le 1er août 2015. Mathieu, nos cœurs se sont brisés lors de ton départ avec ta petite famille. Bisous. À la mémoire de Patrick Perron, le 29 janvier 2011, le 1er août 2015. Patrick, tu es parti trop tôt avec papa et maman. Protège-nous tous. Bisous. À la mémoire de Rose-Marie Nadeau-Étier. Le 16 juillet 1980, le 24 juin 1987. Ton sourire, ta voix, tes rires, tes câlins, tes mots, tout me manque. Je t'aime. À la mémoire de Nicolas Paradis, le 27 novembre 1973, le 28 juin 1979. À notre Nicolas chéri, tu es bien vivant dans nos vies tous les jours. À la mémoire de Donald Camiran, le 11 février 1974, le 15 juillet 1990. Cher Donald, tu nous manques tellement. Tu seras dans nos cœurs pour toujours.
maman, papa et ton frère Frédéric. À la mémoire de Samuel Janson Bellil, le 16 mai 1998, le 16 septembre 2017. Tu étais un cœur sur deux pattes. Maintenant, tu reposes en ce lieu calme et silencieux. À la mémoire de Derek Bolduc Coulombe, le 1er juillet 1996, le 22 août 2015. À chaque réveil, on souhaite que ce n'était qu'un mauvais rêve. Tu nous manques, Corinne et maman. À la mémoire de Jessie Pressé, le 12 septembre 1984, le 6 octobre 2006. À toi, mon ange, mon étoile, mon infirmière, tu auras toujours une première place dans mon cœur de maman. À la mémoire de Nancy M. Vézina, le 22 août 1990, le 19 mai 2007. Bel ange Nancy, tu es à tout jamais dans mon cœur. Je t'aime. Maman, bisous. À la mémoire de Bobby Provencher, le 4 janvier 1992, le 19 mai 2007. Tu me manques à chaque jour de ma vie, mon ange Bobby, maman. À la mémoire de Philippe Véraud, le 16 juillet 1994, le 16 juillet 2020. Un fils aimant, souriant, dévoué. Ami enjoué, compréhensif, sportif engagé, notre étoile, notre amour éternel. À la mémoire de Samuel Tremblay, le 28 novembre 1983, le 22 mai 1998. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout où je suis. À la mémoire de Stéphanie Lamotte-Boyer, le 4 juillet 1987, le 1er janvier 2012. Mon ange, tu es parti trop tôt, mais tu resteras toujours dans nos cœurs. À la mémoire de Steve Plamondon, le 12 juillet 1970, le 15 mai 1985. Mon cher fils Steve, tu resteras à jamais dans nos cœurs, maman et Alain. À la mémoire de Catherine Bernard Garneau, le 26 août 1985, le 29 janvier 1995. Catherine, la joie de vivre, était une petite fille affectueuse, souriante, dynamique, déterminée et rassembleuse.
in memory of Annie Kudaverdian, October 23rd, 1961, October 23rd, 2008. A radiant spirit lit up our lives. Now her light lives only in our memory. À la mémoire de Mathieu Thibault, le 23 novembre 1992, le 23 septembre 2008. Mathieu, nous souffrons en silence ton absence. Tu nous manques énormément. Tu vis toujours en nous. À la mémoire de Suzanne Savard, le 3 février 1967, le 7 août 2002. 20 ans cette année que tu nous as quittés. Ta bonté et ton rire nous manquent à tous. Un grand merci à nos artistes pour leur musique apaisante. Ça fait du bien aujourd'hui. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont soumis un hommage qui a été lu aujourd'hui. Nous savons à quel point c'est une tâche bien difficile de résumer une vie en 15 mots. C'est une lourde tâche qu'on vous impose. Merci à nos lectrices et à nos bénévoles qui ont travaillé dans l'ombre pour rendre cette cérémonie toute très spéciale. J'aimerais également remercier la Commission de la capitale nationale du Québec pour avoir accepté d'accueillir l'œuvre d'art commémorative que nous allons dévoiler dans quelques minutes.
et nos remerciements les plus sincères à la famille de Thomas Raté et à M. Fortin, qui représente aujourd'hui les familles Fortin, Lemieux et Fletcher, pour leur aide inestimable. Pour clore la cérémonie, nous vous invitons à vous rendre devant l'œuvre commémorative pour procéder au dévoilement. Nos bénévoles vont remettre à chaque famille une rose blanche que vous pourrez déposer sur les pièces de granit, que vous pourrez reprendre évidemment la rose plus tard, et vous pourrez aussi reprendre une bougie si vous le souhaitez. Madame Picard a offert de bénir les roses pour nous avant qu'on en fasse la distribution. Et nous vous invitons à demeurer avec nous après le dévoilement. Si vous voulez continuer d'échanger, il y aura un goûter qui sera servi. Et merci d'avoir partagé votre journée avec nous.